soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you. Salut tout le monde, c'est Kiki Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc avant de commencer, je tenais à m'excuser du manque de vidéos sur ma chaîne. J'avais complètement pas d'inspiration et pas de motivation non plus. Mais je reviens en force vidéo. Donc cette vidéo, ça sera sur mon nouveau clavier que j'ai acheté. Donc je l'ai reçu hier, c'est le Klim Domination, un clavier mécanique RGB. Je vais vous présenter les spécifications après. Donc je l'ai remplacé à la place de celui-là. C'est un clavier à membrane, je dirais pas tout pourri, genre Spirit of Gamer. Coûtait environ 30€, celui-là il coûte 50€, normalement il coûte 60€, mais j'ai une promo 10€. Et donc voilà, écoutez la différence de bruit, je vais juste vous faire écouter. Voilà, et la mécanique, switch bleu c'est d'ailleurs. Il y a un petit bruit métallique à la fin. Enfin bref, je kiffe le bruit. Et c'est beaucoup plus confortable. Enfin, c'est pas beaucoup plus confortable, mais c'est confortable. Et je pense que les claviers à membrane, c'est fini pour moi. Donc, je vais vous dire un peu les spécifications que j'ai sur le manuel ici. Donc, ça, c'est un clavier mécanique switch bleu. Donc, c'est un bon switch. Il est un peu bruyant. Enfin, moi, ça me gêne pas personnellement. Mais voilà. C'est un clavier RGB avec 16 millions de possibilités, puisqu'on peut personnaliser chaque touche individuellement. Je vais vous montrer ça après, je vais vous montrer toutes les possibilités, en tout cas tout ce que j'ai trouvé sur ce clavier. Donc, je vais commencer tout de suite par l'éclairage. Et si j'oublie des trucs, je rajouterai après. Donc, tout va se jouer avec la touche FN. La touche FN, elle va servir à tout. Donc, vous faites FN, et là, sur ce pavé, en fait, il y a toutes tous les modes de couleurs, en gros. Il y en a 21, et après, il y a encore d'autres choses, je vais vous montrer. Donc, là, premier mode, c'est un mode respiration qui change de couleur. Donc, je vais vous présenter aussi une autre fonction. Avec FN, flèche de gauche, ça change le sens. Alors, je sais pas si ça le fait sur cet effet. Je crois pas, hein, mais... Donc ça le fait sur certains effets, je pourrais vous montrer après. Ça c'est pour changer la couleur, mais là ça le fait pas puisque c'est un mode respiration. Là c'est la luminosité. Moi je le mets au max. Et là, les deux touches ici, c'est la rapidité de l'effet. Oh, j'ai l'impression que cet effet... Ok, bah, je vais vous montrer d'autres effets puisque celui-là il a un peu... La même touche, ici c'est un mode, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Et donc vous pouvez changer la couleur sur celui-ci. Attendez, voilà. Et du coup, pour remettre la couleur de base, voilà, vous continuez. Donc, ensuite, on va continuer les effets. Cet effet, je trouve assez stylé, mais je préfère le mode rainbow du tout début. Voilà, donc on a fait le tour pour la touche 1, que vous voyez. Ensuite, la touche 2. Donc là, c'est très très stylé, c'est un de mes préférés, celui-là. Regardez. Ça fait une explosion de couleurs. Et du coup, quand vous écrivez un mot... C'est très stylé. Très très stylé. Celui-là, je confirme. Enfin, je confirme. C'est pas le mot, en fait. Voilà. Donc, là, le prochain mode, en fait, c'est... Comme vous voyez, toutes les touches que j'appuie dessus, elles s'éclairent. Et ensuite, elles s'éteignent dans le même ordre que j'ai appuyé dessus. Ensuite, là, c'est les lignes. Bon, ça, je trouve que c'est un peu... Je dirais pas que c'est moche, mais bon. Voilà, là, on a fait le tour. Ensuite, FN3. Alors là, ça aussi, c'est stylé. Ça fait... je sais pas comment décrire ça, vous voyez. Hein. Ça fait un truc multicolore. On dirait une guirlande, ce clavier. Ensuite, le prochain. Là, ah ouais, ça, c'est stylé. Par contre, je ne sais pas pourquoi les couleurs se rassemblent au haut. Moi, je pensais que c'est où on appuie. Mais en fait, non, c'est vraiment tout le temps haut. Donc, voilà. Alors là, ça fait une pluie de couleurs. Toujours la guirlande. Et comme d'hab, on peut changer...
les couleurs, mais c'est pas très joli quand il n'y a pas des couleurs comme ceci. Ensuite, FN4, c'est le mode du tout début. Mon préféré, voilà. Ensuite, le mode, ça c'est... Bah, je sais pas trop en fait, on dirait c'est le même. Alors là, ça tourne en spirale comme ceci, et on peut changer le sens, regardez, avec flèche de gauche. Maintenant c'est dans l'autre sens, hop, voilà. On peut changer la couleur encore, voilà, mais là du coup c'est qu'une couleur, ça sert complètement à rien. Ensuite, encore FN4, là c'est le début, FN5. Ouais, ça c'est stylé. Ça change de couleur en plus, j'avais pas remarqué. Si on le refait, ça fait ce mode. Voilà. Encore un autre mode. Là, je suis pas obligé de... Re les amis, donc j'ai eu un petit problème de batterie, donc là je tourne la suite de la vidéo le jour suivant. Donc là on voit pas très bien l'éclairage. De toute façon celui-là je vous l'avais déjà montré, on était au F6, on avait fait le 5 et tous les autres avant. Donc là je vais vous montrer le F6. F6 voilà, ça fait des lumières comme ça. Vous voyez. Si on appuie, c'est une couleur basique. Enfin là vous voyez pas beaucoup. Mais je vous le dis, voilà, vous pouvez changer les couleurs. Et en fait, c'est juste couleur basique. Et si on rappuie, ça fait un effet vers le centre, de la couleur qui va vers le centre. Vous pouvez changer le sens, comme ça. Donc là, je vous ai présenté tous les modes de couleurs qu'il y a ici. Mais maintenant, je vais vous présenter comment faire son propre comment tout personnaliser les couleurs. Avant, je tenais juste, avant que j'oublie, de préciser qu'il y a des macros sur ce clavier. Les macros, c'est des raccourcis. Donc là, pour le lecteur musique, baisser le volume. Attendez, je fais le focus. Monter le volume. Couper le volume. Stopper une musique. Là, c'est lecture précédente, enfin, piste précédente. Pause, lecture, piste suivante. Là, c'est la messagerie. Ça, je crois que c'est... je sais plus ce que c'est ça. Faudra tester. Ça, c'est la calculette et ça, c'est une recherche internet. Donc, voilà. Je vais vous présenter maintenant comment on fait les couleurs personnalisées. Donc, vous appuyez sur FN toujours et cette touche-là, le petit 2. Donc, à une main, c'est assez compliqué. Je vais poser mon téléphone et je remets. Voilà. Donc... Quand vous avez appuyé, ça va pas vous faire ça normalement, puisque moi j'ai déjà fait mon clavier personnalisé. Donc pour le personnaliser, normalement, vous devez faire FN et flèche de droite. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Donc c'est FN et cette touche-là encore. Donc je vais la refaire, je posais mon téléphone. Excusez-moi. Voilà, et en fait, quand ces lumières clignotent, ça veut dire que vous êtes en mode configuration. Donc quand ça clignote comme ça, c'est que c'est bon. Ensuite, là, vous pouvez choisir la couleur. Donc, la couleur, ça, que, en fait, toutes les touches que vous allez appuyer, elles vont s'illuminer de la couleur qu'il y a sur cette touche. Là, il n'y a pas de couleur. Donc, si j'appuie, regardez, ça s'éteint. Pour changer la couleur, c'est FN, flèche de droite. Là, c'est en jaune. Donc, si j'appuie, c'est en jaune. Ensuite, là, je vais le refaire. Regardez les couleurs. Je vais le remettre en rouge. Voilà, rouge, et là, tac, j'appuie. Et donc là, ça va sauvegarder automatiquement. Sauf que là, vous voyez, il y a la touche FN qui s'est mise. Si j'appuie, elle va se mettre en rouge. C'est pour ça que, avant, pour quitter ce mode, il faut mettre là, qu'il n'y ait plus de couleur. Comme ça, là, vous faites. Attendez, voilà, vous faites FN, et là, ça l'éteint. Attendez, je pose encore mon téléphone. Je suis désolé, mais il n'y a personne pour m'aider là, j'ai pas le choix. Donc voilà, je vous ai présenté comment personnaliser toutes les touches. En gros, c'est ça. Et voilà, pour finir sur ce clavier, je le trouve vraiment très stylé. Et c'est vrai que il est assez lourd, mais quand il est posé comme ça gêne pas du tout, hein. C'est même mieux. C'est beaucoup mieux comme ça, parce qu'il bouge pas. D'ailleurs, aussi sur l'esthétique, un truc à dire. Vous voyez là où il y a les lumières, c'est du vert. Il me semble que c'est du vert. Et c'est très très bien fini. Je trouve que c'est très stylé.
Donc voilà pour l'esthétique. Derrière, à l'arrière, il y a deux palettes. Là, je peux pas vous les montrer, mais il y a deux palettes pour le surélever un petit peu. Et voilà. Il me semble que j'ai tout dit. Donc le clavier est à 60€ sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Et je vais vous montrer aussi une petite fonctionnalité qui pourrait peut-être vous aider. Moi, je le fais quand je joue. Donc vous appuyez sur FN et la touche Windows. Et en fait, ça va bloquer la touche Windows pour quand vous jouez au jeu, pour éviter que vous appuyez dessus accidentellement et pour éviter les mauvais gestes, quoi. Pour éviter de perdre dans les jeux. Donc voilà, si j'ai oublié des trucs, ça m'étonnerait que j'ai oublié des trucs, mais bah, au pire, je rajouterai dans la description, en commentaire ou en sous-titres, enfin, je vous dirai. Mais là, vraiment, j'ai fait un bon résumé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire, tout ça, tout ce que vous pensez sur ce clavier. Ceux qui veulent l'acheter, dites-moi quand vous l'aurez, tout ça, ce que vous en pensez vous aussi. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!